1916, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Oh, il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle, il prend soin de toi, il veille sur toi. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Avant que le péché n'arrive sur terre, mon Dieu a tout prévu. L'agneau a été déjà immolé avant la création. Quelle joie d'avoir un Dieu comme Jésus, qui prend soin de ses enfants en nous donnant tous un héritage. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle, il prend soin de toi, il veille sur toi. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus, son nom c'est. Oh, Jésus, agneau de Dieu, puissant de Dieu. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, oh Jésus, Jésus, il n'y a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle, il prend soin de toi, il veille sur toi. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. C'est ta fidélité qui nous permet d'être ici ce matin. C'est ta grâce qui nous permet d'être réunis autour de ton trône. Seigneur, à tes pieds, Père éternel, nous croyons, notre Dieu, que ton amour s'est encore manifesté, Seigneur Dieu. Notre Père, sois béni. Tu sais prendre soin de tes enfants. Seigneur, la situation que nous vivons, tu l'as connue, Seigneur, avant qu'elle ne commence. Parce que tu vois la fin avant même qu'elle ne commence dans notre vie. Merci pour la vie de chaque personne ici ce matin qui participe à ce programme de prière. Que ton nom soit béni, Seigneur. Louange et gloire te soient rendues au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que vous êtes aussi bénis dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes, comme vous le savez, comme vous le constatez,
sur l'émission Prier sans cesse. Je sais qu'il est l'heure que vous savez chez vous. Là-bas, vous êtes au Cameroun, surtout au Tchad et à Madagascar. Nous savons que vous êtes bien réveillés dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons commencé avec des trésors divins, notre chante Anne l'Oracle et notre frère David. Nous sommes accompagnés par le pianiste, une personne exceptionnelle, un trésor divin, le frère Tanguy l'Argile. L'Argile parce qu'il se laisse travailler, se laisse transformer par le Seigneur. Il veut que Dieu lui donne l'image qui lui plaît. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, sachez que le Seigneur sait l'événement que vous traversez. Et il connaît la fin avant même que cet événement ne se déroule. Alors vous criez, je suis dans les difficultés, je suis dans les problèmes, j'ai telle situation et telle situation. La pensée que nous avons dans notre cœur aujourd'hui, c'est de vous dire, c'est dans les difficultés que nous devons célébrer et louer Dieu. N'attendons pas d'avoir telle ou telle chose pour pouvoir célébrer. Mais c'est dans les difficultés, c'est quand nous sommes dans les problèmes que nous devons montrer à Dieu que nous savons qu'il est le Dieu qui prend soin de nous, qui prend soin de tous ceux qui sont ses enfants, qui sait comment les conduire, les protéger durant, en face des situations, durant toute leur vie. Regardez, Paul et son collègue étaient confrontés à une situation difficile. Ils ont prêché l'évangile dans une contrée. Ils ont chassé un démon qui s'apparentait à un esprit de prophétie, mais qui était un plein de démons de Python. Et la Bible dit, quand les maîtres de cette personne ont vu que leur source de gain était en train de partir, se sont énervés, comme chaque personne pourrait s'énerver quand il est en train de perdre quelque chose. Mais voyez-vous, ils ont attrapé ces deux serviteurs de Dieu. Et comme pour ne pas qu'ils aient les occasions de s'échapper, ils ont ordonné qu'on les garde sûrement en prison. Et cette expression sûrement, ça veut dire faites en sorte qu'ils ne meurent aucune occasion de s'échapper. Donc on les attache avec des chaînes, on les met dans un coin et on les fait surveiller par des gardes. Ils n'avaient même pas la possibilité de bouger un doigt, pour dire ça comme ça. Pour dire qu'ils ne pouvaient même pas imaginer s'échapper. Mais dans les tréfonds de cette difficulté, dans la profondeur de cette souffrance, la Bible dit au milieu de la nuit. Cette expression peut signifier au milieu de la détresse, du désespoir. Quand tu penses que tout est fini. Parce que la nuit, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. La nuit, on ne peut pas avoir une perspective de vue. La nuit, on ne peut pas voir, on ne peut pas imaginer un avenir parce que c'est la nuit. On se demande bien, est-ce que demain sera un jour que je vais voir? Quelquefois, nous nous posons ces questions. Est-ce que je verrai demain? Est-ce que demain sera un bon jour pour moi? Vu que la nuit déjà est troublée. La nuit est déjà source de problèmes pour moi. Mais lisons, Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Chantaient la louange de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Vous savez, quelquefois, dans les difficultés, nous sommes découragés. On ne prie même plus. Et les gens ne nous entendent même plus célébrer Dieu. Et souvent, ils sont en train de nous demander, mais où est ton Dieu? Où est passé ton Dieu que tu chantais, que tu criais ici au moment où tout était bien? Vous savez, si nous n'apprenons pas à célébrer Dieu pendant les moments difficiles, nous serons des personnes hypocrites dans les bons jours. Parce que dans les bons jours, qu'on connaisse Dieu ou pas, on peut célébrer. Les gens fêtent leur anniversaire quand ils ne sont pas encore morts. Comprenez? Mais c'est dans les moments difficiles où les gens pensent que tout est fini. Où nous sommes liés, nous sommes sous pression. Où nous ne savons même pas si demain va nous réserver une bonne chose. Que nous devons dire, il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Chantez sa louange. Je disais, quand je prêchais un jour, que chanter c'est prier des fois. Prier des fois, c'est pas deux fois, ça veut dire quelquefois chanter c'est prier. Quand nous ne savons plus que dire, nous ne savons pas comment agencer les phrases, nous ne pouvons plus construire de façon réelle, de façon précise, des phrases pour dire ce que nous vivons à Dieu. On doit venir devant le Seigneur et lui dire,
Tu as ma vie sous contrôle, Seigneur. Pas des mélodies, pas des chants. C'est pour cela que aujourd'hui, je vous encourage. Peut-être que je suis en train de parler à quelqu'un qui traverse un moment difficile. Tu as fait une affaire où tu as perdu. Tu es peut-être même en train d'être acculé par des créanciers, ça et là. C'est difficile pour toi. La famille a des problèmes. Tu as des problèmes. Et souvent, tu penses même au suicide. C'est dans ce moment que tu dois te mettre devant le Seigneur et célébrer Dieu. Tu dois te lever, tu as dit, j'ai vu l'agneau. Je sais que c'est mon Seigneur, c'est mon Rédempteur. C'est lui qui est mon Père. Je sais que je l'ai vu. Vous savez, un jour, je disais ça à quelqu'un, il me dit, mais si tu ne le vois pas, il dit, fais comme si tu le vois. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'on perçoit avec les yeux qui est vu. C'est ce qu'on perçoit avec l'esprit qui est vu. Je vois l'agneau. Et quelquefois, je dis à des gens, la Bible dit mon Rédempteur interviendra le dernier. Quand il va intervenir en dernière position, ça ne signifie pas que, je suis le dernier de la société. Ça signifie que, en fait, il a laissé le temps au diable de manipuler comme il pouvait. La difficulté, pour te faire croire qu'il est le plus fort, il t'a montré la couleur. Mais quand il se présente, toutes les difficultés disparaissent. Parce qu'il est mon Rédempteur, il est Seigneur, il est mon Père, il interviendra le dernier. Il prendra le dessus sur toutes les difficultés. Mais c'est à moi de savoir exprimer ma foi par mon adoration. Ce matin encore, nous allons célébrer le Seigneur avec notre chantre, la chante Anne-Laurade. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons chanter, nous allons dire, j'ai vu l'agneau. Dis-le avec foi, j'ai vu l'agneau intervenir dans mon affaire. J'ai vu l'agneau régler cette situation matrimoniale que je traverse. J'ai vu l'agneau intervenir dans la vie de mon enfant qui est troublé aujourd'hui. J'ai vu l'agneau intervenir dans cette entreprise qui est en train de partir vers la faillite. Et je sais que l'agneau est intervenu et il a géré la situation. Je veux que tu prennes 30 secondes de pause et que tu dises, Seigneur, je veux te voir. Pendant que la chante va chanter, accompagnée par notre pianiste, c'est vrai que vous ne le voyez pas, mais vous l'entendez. Seigneur, je t'ai vu. Comme je l'ai dit, ne cherche pas à le percevoir avec tes yeux, mais commence à le percevoir avec ton esprit. Holy, 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 you are holy, holy, holy. Holy, holy, you are holy, holy, holy. Les anges élèvent l'agneau et ils se prosternent. Chantons Saint, Saint, Alléluia, Saint, Saint. À toi Seigneur de ma vie, à mon Sauveur et mon Roi, oh tu es Saint. Et malheur à bon sika, baba, baba, Saint, Saint. Oui, je vais l'agneau assis sur le trône, car tu étais et tu reviens, toute la gloire à
sa majesté à jamais. Oh, à jamais. Oui, chantons l'agneau. On se prend ses noms en criant. Oh, j'ai vu des pécadilles prosternés devant le trône en chantant c'est. Oui, tu essaies. Oh, les pécadilles, les angélés dans le ciel. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Qui est, il était et il revient. Toute la gloire à sa majesté à jamais, à jamais. Oh. Dis-lui ce air que je respire. Cet air que je respire, c'est ta présence que tu as donnée pour moi. Même si ça ne va pas, je suis conscient que je respire ta grâce. Mais lorsque tout est perdu, je respire ta grâce. Quand il n'y a plus d'espoir, je respire ta grâce. Porte-moi dans ta grâce. Cet air que je respire. Oh, ouais. Cet air que je respire. C'est ta présence. Donnée pour moi. Hey! Ce péché jour après jour, c'est ta présence. Et ce pain quotidien, tu me donnes chaque jour. Ce pain quotidien, c'est ta présence qui vit en moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Oui, tu as besoin de Jésus. Oh. Et moi, je suis perdu sans toi. Donc on est des personnes élevées.
je suis perdu sans toi. Sans toi. Sans toi. You are here, Lord, you move in this place. I worship you, I worship you. Je t'adore. Et tu fraîches, mais tu opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Célébrer le Seigneur parce que c'est lui qui opère les miracles. Il tient ses promesses. Il te bénit. Je sais que ce matin tu es béni. Je sais que tu es béni. J'ai été béni aussi par cette voix que le Seigneur a donnée à ce trésor divin qu'elle chante. Je sais que la grâce du
Seigneur t'a visité ce matin. J'ai vu des gens guérir. J'ai vu la grâce de Dieu visiter des personnes. Je sais, je crois que vous êtes en train de continuer à célébrer Dieu parce que vous avez compris que la tristesse n'apporterait rien. C'est la célébration qui donne la solution. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous croyons que vous allez continuer à célébrer le Seigneur chez vous. Et comme d'habitude, si vous voulez nous joindre, vous voulez que nous puissions passer des moments ensemble dans prière encore, hors antenne, ou encore vous voulez être suivi, vous êtes encadré, nos numéros s'affichent sur votre écran. Plus de 125 78 37 52 78 ou encore nos adresses vitenacoissy@yahoo.fr, tout simplement notre page Facebook ou encore WhatsApp. Nous serons là pour vous répondre et parler avec vous. Et comme je ne cesse de le dire depuis un moment, nous avons besoin de votre soutien, soutien matériel et financier. Nous voulons changer notre plateau, nous voulons agrandir notre plateau et faire de plus grandes choses, des choses merveilleuses. Si vous aimez notre émission, nous vous attendons parce que c'est une œuvre commune. Nous croyons qu'ensemble, nous allons aller plus loin et dans la communion du Seigneur, nous serons bénis. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée. Nous vous retrouvons une autre fois pour une belle émission. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Pour bénir TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvée.